Et what up les gens, c'est Depiello Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Motorsport Manager. Et on se retrouve donc pour le 5ème Grand Prix de notre saison, 3ème saison en Formule 1. Enfin première saison en Formule 1, 3ème saison dans notre carrière. Et du coup comme j'avais enregistré les 4 premiers Grands Prix genre d'un coup, du coup ça fait presque un mois que j'ai pas touché au jeu. Donc je sais plus où j'en suis. Donc bon, on est déjà 3ème au niveau des pilotes, ça c'est cool. Ok, fais voir les écuries, on est où? On est 2ème derrière la Scuderia Rossini. Alors pour répondre aux questions, non je vais pas utiliser de mode pour le jeu. On va finir cette première saison de Formule 1. Je sais pas si après on continuera Motorsport Manager ou pas. Je vais pas non plus faire créer ma propre écurie ou faire du GT. Parce que c'est du contenu additionnel, donc bon bah voilà, j'ai déjà mis suffisamment de pognon dedans. Et puis de toute façon on verra, là il y a encore, fais voir au niveau des calendriers là, parce que là il y a quand même encore masse de Grand Prix à tourner. Je pense qu'à la fin là, ici les Ardennes, bon bah on verra où est-ce qu'on en est, on fera un petit bilan. Et puis on verra si on continue Motorsport Manager ou pas, voilà. Alors, on en était où? Oh, c'est vrai qu'elle est jolie cette voiture. Au final, elle ressemble beaucoup aux voitures de 2017, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas pourquoi. Mais voilà, bon bah avec des grosses bouches d'aération. Et puis finalement, moi qui croyais que c'était que esthétique tout ce genre de... Dis donc, c'est un peu dégueulasse là. Garçon, il se passe quoi là? Pourquoi c'est aussi dégueu? Bref, je pensais effectivement que le... l'aérodynamisme c'était pour faire joli, mais en fait vous m'avez dit dans les commentaires que bah ça servait à quelque chose, et bah finalement j'ai l'impression de pas avoir fait les mauvais choix en termes aéro, donc c'est une bonne chose. Donc on a un aileron avant qui arrive dans 5 jours, on va pas pouvoir l'avoir pour le Grand Prix de la Mer Noire. Mer Noire, il va pleuvoir pendant la course, donc va falloir faire très gaffe à ça. Ça va jouer sur la... comment ça s'appelle, sur la stratégie. Notre usine, alors on a un atelier de conception. Vous m'avez dit que c'était peut-être l'erreur à ne pas faire, j'aurais dû améliorer l'usine d'abord. Bon bah écoutez, c'est pas grave hein, mais en termes de conception on n'est pas au top hein, les gars. On n'est pas au top du tout. Ça va arriver dans combien de semaines? Pam pam pam, t'es où? Ben je sais pas. Combien de temps ça prend les gars de construire ça là? Putain, je suis paumé. Oh. Ah, mais tu touches au jeu pendant 3 mois, là, et puis au bout d'un moment, t'es peu... Bon, bref. Ok, bon, ça va arriver un jour ou l'autre. En écurie, on est pas mal, hein. Faut le dire ce qui est. On a des bons pilotes. On a Pascal Baker qui peut s'améliorer encore. Donc, non, ça, c'est cool. Les sponsors. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des sponsors? On a ici un emplacement qui va pas tarder à se barrer. Très bien. Et puis ici, pareil. Ok. Bon, bah, très bien. Ok, ça le fait, ça le fait. Très bien, tout le monde est content sauf Pascal Baker, mais c'est normal. Le sponsor, on va essayer de faire... alors attends, on a fait combien et combien? Ah, on a fait premier à la dernière course à Tondela. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on tente le... Quoi qu'il arrive, on gagnera de l'argent et... on va faire quatrième ou mieux. Comme ça, on ramasse 800 000. Quatrième au mieux, c'est vraiment faisable. C'est chaud, mais c'est faisable. Niveau des pièces, on est bon, je crois, il me semble. Tac, 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 tac. Là, il y a peut-être un risque de transgression, mais c'est pas grave. Ok, allez, on va aller tout de suite au Grand Prix de la Mer Noire. Grand Prix de Russie. Grand Prix de Russie, Grand Prix sur la Mer Noire. Il est joli, ce Grand Prix. C'est le premier Grand Prix qu'on a disputé, d'ailleurs. Alors, on va mettre Madame, Monsieur... Madame, Monsieur, donc oui, la dernière fois on avait gagné un Grand Prix, ce qui est pas rien hein. Bon bah les réglages, on va les laisser comme ça, on va les laisser sortir. Medium, soft, ok. De toute façon, il va falloir qu'on taffe sur le fait que... Pff, ouais. On va participer aux essais libres quand même, histoire de trouver les réglages. Alors, avant de t'envoyer, tu vas partir pour le réglage course d'abord hein. Hop, en 8 tours. Tu mets les... non, on va les faire travailler sur les softs. Parce que je vous explique, il est possible qu'il pleuve. Il va pleuvoir. Mais il est possible qu'il fasse beau. Donc du coup, plus soft, on est obligé de travailler à fond sur les softs. Voilà, quoi qu'il arrive. Ok, tac, on va t'envoyer. Toi, tu vas te mettre sur les réglages qualif. En 3 tours, ça sera pas mal avec les softs aussi. Et on t'envoie aussi. Allez, c'est parti. Nos petites voitures s'élancent.
Et puis et tout le monde s'élance d'un coup sec quoi. Donc bon, bah, très bien. Donc on va voir on va voir ce qu'ils pensent de la voiture. Et puis surtout va falloir apprendre le circuit. Alors on va regarder un petit peu ce que pense Maria Gonzalez des notre setup. Alors très bonne moyenne, très bien. Bon, alors je sais que elle m'a dit effectivement qu'il fallait une boîte plus courte. Donc on va faire une boîte beaucoup plus courte. L'aéro, forcément elle est pas contente. Donc on va lui mettre un peu plus d'aéro. On va lui mettre pas trop d'aéro en fait. Voilà. On va lui mettre 26,5 comme ça. Ça devrait être pas mal. La maniabilité elle était bonne. Donc nos sous-sails là-dessus. Hop. Voilà. Voilà. Bon bah on va l'envoyer pour un réglage course. Cette fois-ci 8 tours. Et tu vas continuer de travailler sur les... Fais voir les softs. On en est où ? Ne tente presque niveau 3 parce qu'elle va se charger de faire le reste puisqu'après il mettra aussi les softs. Faut qu'on connaisse un peu les médiums mais c'est pas trop entre guillemets obligatoire. Bon, vas-y quand même mais voilà. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. Gonzalez est en haut de la fiche des temps, donc ça c'est propre. Donc il y a moyen qu'on puisse jouer peut-être la victoire hein. Maintenant faut se pencher peut-être sur Pascal Becker. On va voir ce qui nous sort le petit. Il a l'air d'avoir un rythme plutôt honorable. Après faudra forcément faire des petits réglages pour que ça aille mieux et qu'il soit un petit peu plus rapide. Mais pour l'instant ça se passe bien pour Maria Gonzalez. Allez, on fait rentrer Pascal Becker maintenant. On va lui faire un petit réglage qualif. Là faut absolument qu'on travaille sur la qualif. Ça va être extrêmement important. Et on va voir ce qu'il pense de la voiture. Oh, putain, les pneus sont morts hein. Les pneus sont complètement morts. 12% de vie quoi. Il les a emmenés très très loin. Alors il m'a dit l'aéro ça va pas. Ça va pas. Je crois qu'il avait besoin de plus d'aéro. Ok, on va lui faire ça. On va voir hein, mais réglage qualif. Tout de suite le réglage qualif les gars. Hop, tu remets les softs. Fais voir un petit peu là on est où. Putain, ouais. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Tu fais combien de tours là? 3, ok, d'accord, vas-y go. Go mon petit garçon, go go go. J'espère que ça va aller mieux pour Pascal là parce qu'on n'a pas le bon setup. Parfait pour... ok, donc ça c'est noté. Bon allez, ça commence à être vite fait la fin de la séance d'essai. Gonzalez, pas de problème. Par contre c'est un peu plus... Ok, donc ça c'est bon. Donc ça paraît un peu plus compliqué pour Pascal Becker malheureusement. L'équipe de la vitesse perfo. Ok, donc ça a l'air de... On peut encore améliorer un peu le setup sur Pascal. Par contre Maria Gonzalez, on peut jouer la gagne. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Faudra voir comment... Oh punaise, Wexler vient de signer un 1.19.6. Vénère là. C'est assez intéressant là, au niveau des essais on s'est plutôt bien débrouillé pour Maria Gonzalez qui a de l'expérience. Voilà, on est troisième, on est seulement à 2/10 de dégâts de devant, là, de la Scuderia Rossini. Mais Pascal Becker a eu un petit peu plus de mal et j'ai l'impression que les softs partent facilement en lambeaux. Donc va falloir faire super gaffe, vraiment faire gaffe à nos stratégies. Et peut-être qu'au final, le médium va être le plus important. Donc ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Alors, on va choper donc effectivement un pneu tendre pour la qualif. Réglage qualif niveau 2, donc ça c'est un peu dommage hein. On aurait pu avoir un réglage qualif niveau 3, ça aurait été parfait. Et du coup je pense que malgré tout ça va être compliqué. Alors les réglages, voilà, c'est ça que je voulais changer. La déportance était mieux. On est à 92. On va lui rajouter on va lui rajouter un chouïa de déportance peut-être pour tenter d'aller chercher ça. Et puis hop. Voilà. Et peut-être un chouïa de sous-virage. Ouais, comme ça, ça peut-être que ça va améliorer la chose. J'espère, ça pourrait être pas mal. Putain, on a plus de pneus soft là. Il va falloir bosser sur les médiums limite. Ça va être complexe. Ça va être complexe cette histoire. Il va faire beau, ouais, il va faire beau. Ouais, bon bah. Alors fais voir, Maria. Elle m'a dit il fallait encore plus d'aéro. Ok, plus d'aéro ma gueule. On va te mettre plus d'aéro. Hop. Et alors pas trop non plus je pense. Ça c'est assez important. T'étais très bonne ici. Lapsus révélateur. Et on va te mettre comme ça. Donc là ça devrait être pas mal, on est à 90. On peut faire mieux, voilà.
On lui remet des softs, très bien. Et puis bah on va faire la qualif comme d'habitude en fait. On va la simuler et puis bah roulement de tambour les enfants. On va voir ce qu'on fait au niveau de qualif. Ah c'est comme ça que ça se passe maintenant. Bah oui j'ai pas eu les Alors vas-y objectif sponsor. Allez les gars, allez allez allez. On est où là? Bah ils sortent ou pas? Oula chute à la 16ème place. Oh on est 8ème. Aïe 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 aïe. On a fait des sales tours. Ah ouais. Ah c'est pourri. Putain on a fait 8 et 11. Ah ouais d'accord. Ça se passe comme ça. Très bien. Alors World Motorsport Championship. 8 et 11. Putain on n'a pas récupéré 400 000 boules là. Ah on est loin. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les essais et la qualif? Ah on n'avait pas le réglage qualif qu'il fallait, c'est pour ça qu'on a fait un sale résultat. Bah oui, évidemment. Évidemment. Évidemment, évidemment. Bon. Allez, c'est jour de course et regardez, il pleut, ça y est, il pleut à Sochi, à la mer Noire. Ouh la vache. Ouh la vache. Alors, fais voir. Ah ouais, après c'est... ouais, bah on va partir tout de suite en... on va pas poser de questions, hein. Alors, déjà, première chose... tu me mets les pneus tendres quoi qu'il arrive. Oh pop 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 pop. Pneus pluie. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais 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 ouais. Les pneus pluie direct mon garçon hein. C'est qui ça? C'est Becker en plus. Ouais, ouais. Alors fais voir. Excellent 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 très bon. Bon bah là on devrait être tranquille. Là franchement je pense qu'on est pas mal. On vous met en rouge partout pour attaquer. Tu peux... On part avec quel pneu là? En wet. Pour info, les wet, ils durent 20... Carburant de départ, 26 tours. Fais voir juste les... Allez. Les réglages. Le wet, il dure combien de temps le wet? Il fait 14-16 tours. On a 26 tours à couvrir. Donc potentiellement, on fait un arrêt. Potentiellement, on fait un arrêt. Ah ouais putain il me reste un seul soft pour putain il a défoncé les pneus quoi. Ok. Très bien très bien très bien. Bah là j'ai rien à dire hein. 99% là le mec il est obligé de taper vénère. Là je pense qu'on peut bien s'en sortir hein, sur cette course. Je pense qu'on peut bien s'en sortir. Tout de suite la course. Et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix de Sochi de Russie à la mer Noire. Allez c'est parti les gars. Oh le bon départ de Pascal. Oh non bah non pas bon départ de Pascal. Là d'un coup il a freiné, qu'est-ce qu'il a foutu. Maria Gonzalez elle est déjà 7ème, ça c'est bon. Objectif des sponsors on n'oublie pas c'est 4ème minimum. Allez là maintenant faut enchaîner. On va attendre la fin du premier tour pour passer en mode rapide rapide. Ah putain ils ont du mal hein. Putain ça roule pas vite. 10ème Pascal Becker, ça c'est bon, ça c'est bon. On partait 12 et 8 je crois. Donc ça c'est bon. Oh l'extérieur. Oh l'extérieur de Maria Gonzalez. Oh oui, bien joué pour la 6ème position, c'est bon ça. Vas-y Maria, à l'inté, à l'inté, à l'inté. Hop là, oh là, elle a coupé la chicane. Aïe, 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 on se retrouve avec le 6ème, attention à pas avoir d'accrochage. C'est bon, on a pris de la vitesse, on est bien. Becker toujours 10. Attends, oh les premiers ils sont barrés mais direct. Hein. Wexler et Kanjiro, on va plus les revoir. Allez, on va passer en mode rapide là, pas que ça à faire. Allez, par l'XT, ouais, bien joué. Waï, waï. Alors attends, accident de Pascal Becker, bah, j'ai bien vu ça. On retourne au stand maintenant, la voiture de sécurité. Non, ça sert à rien. Ça, hop là. Alors par contre, tu te mets en mode faible et faible. Voilà, pour économiser les pneus. Et alors, Pascal Becker, il est parti, mais dans le mur, quoi. Oh la vache. Oh, ce crash. Oh, il est vénère. Putain, Becker, il pouvait faire un truc en plus. On avait la voiture pour là, il était bien. Putain, qu'est-ce qu'il a foutu ce con. Accident de Pascal Becker. Bon bah on va s'occuper plus que d'une voiture hein. Becker là il est en train de me décevoir un petit peu. Allez donc on s'est mis en carburant tranquille. Voilà pépère, voiture de sécurité. Un tour restant. Et dès que ça va repasser on va pouvoir envoyer du pâté. Envoyer le couscous. Envoyer la merguez. Envoyer la friture. J'ai faim un peu là. Alors un tour restant, quand est-ce qu'il va dire go go go, green green green, non toujours pas,
Pas de green, green, green. Très bien. Donc là, on économise au taquet de carburant. Absolument, absolument, absolument. Faut économiser le carburant, les gars. Économisons les carburants. Putain, le premier est où? Elle est où, la voiture de sécurité? Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, les pneus, là, ils sont bien. Ils sont bien, t'inquiète, t'inquiète. Pas de problème. Fais voir la météo. Ok, c'est bon, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Ok, donc là, on a rameuté toute la meute. Allez, on repasse dans le vert, là, au niveau du carburant. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'on en a besoin. Donc là, on va encore faire un tour tranquille. Ok. Allez, c'est le moment d'envoyer le couscous, les gars. Hop. On va se mettre en mode gros bourrin. Attention, ça va repartir, les gars. Oh, aïe, aïe, ça va repartir. On est cinquième, on peut jouer la quatrième, voire le podium. Là, là, tout est possible, tout est possible. Allez, c'est reparti. L'attaque, tout de suite. Allez, ma petite Maria. Allez, Maria. Attention, devant, attention à pas avoir le crash. Oh, c'est chaud devant, c'est chaud devant. Pour la troisième place, c'est très, très chaud. Les pneus sont ruinés. Mais ils sont pas ruinés, t'inquiète. Faut les faire chauffer, c'est tout. Ah, par contre, on a beaucoup plus de dégradation que les autres. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, elle est passée quatrième. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. C'est beau, ça. Allez, maintenant, faut continuer d'attaquer. Mets-toi en mode tranquille. Se mettre en mode élevé ici. Elle a fait un plat sur les pneus, évidemment. Putain, la boulette. Allez, on joue pour la troisième place. On joue pour un podium. Ça peut être bon, un petit podium, là. On a beaucoup de mal à faire chauffer les pneus, là. Ça... Oh, ça s'est arrêté. Ah, bah non, 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 non. Pardon, c'est Pascal Baker qui est au stand. Oh, si, si, ça s'est arrêté. Qui s'est arrêté, là? Oh, putain, c'est un retardataire. Il y en a qui passent en intermédiaire. Oh, aïe, aïe, aïe. Eh oui, eh oui, eh oui. On rentre ce tour, on rentre ce tour, on rentre ce tour. On met les intermédiaires direct. Attends, fais voir le temps, là. Ça va sécher même vite. Oh là là, est-ce qu'on se... Ça va prendre 3-4 tours. Est-ce qu'on se le tente? Ah oh là là, j'ai un dilemme, les gars. J'ai un dilemme parce que là, on peut se tenter d'aller d'aller chercher jusqu'au tour. Alors là, c'est le 6, là, c'est le 12. Donc, genre tour 10. Ah, ça veut dire que là, faut faire 3 bons tours. 3 bons tours. 3 tours avec ces pneus-là, ça va pas tenir. Hein. Ça va pas tenir. Je m'économiserais bien un arrêt. Donc en fait, on va pas la faire rentrer. On va pas la faire rentrer. On va continuer un tour de plus. Elle bloque ses freins. Putain, elle commence à casser les cacahuètes, hein. Franchement, je vous le dis. On va continuer. Et on va observer comment ça se passe au niveau des temps des intermédiaires là. Comment, s'ils arrivent à bien sortir un deuxième secteur vénère. Est-ce que ça s'arrête? Non, ça s'arrête pas encore. Ça, les intermédiaires, c'est encore un chouïato. Là, on commence à avoir du mal. Mais si on peut passer directement les pneus secs, les pneus slick, direct, ça peut être parfait. Mais arrête de bloquer tes pneus, putain. Eh, ça fait 4 fois qu'elle me fait des sales freinages, là. Putain, c'est pas vrai, ça. Alors, ok. Soutien, voilà, parce que là, faut... Tu vas bientôt t'arrêter, t'inquiète. Et ouais, et tout le monde veut tenter d'aller... ouais, là, faut encore aller chercher quelques tours, là. Aïe, 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 putain. Ouh, ça va être compliqué, là. Ouh, ça va être compliqué. Elle a plus de pneus, elle a plus de... Ouh là là, qui c'est qui nous dépasse? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh, c'est compliqué. Ouh, c'est compliqué. Est-ce que je la fais rentrer maintenant? Ouais, 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 ouais. On va lui mettre... Est-ce que avec les médiums mettent 14-16 tours? C'est trop short. On est obligé de faire deux arrêts. On va mettre les softs et les softs. Voilà, tout simplement. On va y aller le couscous et puis voilà. Hein. Soft, soft, c'est parti. Box, box. Box, box, box. Allez, hop. Allez, c'est parti. On va te remettre en agressif. On a un chouïa de carburant, c'est le moment. Et je suis le... Et non, ça a commencé à mettre les hards et tout. Il y en a qui vont aller faire... qui vont aller au bout. Nous, on choisit une stratégie très agressive. En essayant d'aller... Ouai, ouai, ouai. Mais tais-toi, on s'en fiche des intermédiaires, c'est pas le moment là. Tu sais pas ce que je fais là. C'est la stratégie ma gueule. Parce que là, ils sont en train de perdre grave du temps. Derrière, ça a mis les médiums, inter. Et on est les seuls en soft. Donc on est les seuls à tenter un deuxième arrêt derrière. On est les seuls à tenter ça. Ça va être extrêmement chaud.
on repasse quatrième. Et devant, le troisième est sorti en hard, donc ça va au bout. Donc là, faut attaque max. Attaque maximale, les gars. Attaque maximale, ma gueule. Là, faut aller chercher tout ça. J'espère que les temps autour vont être meilleurs que... Sinon, on est mort. Ouais, on est bloqué, hein. On est bloqué derrière l'Hipponen, là. Il est quand même bien rapide et on n'a pas de... d'air frais, d'air tranquille en fait, puisqu'on est en train de suivre la voiture et c'est très très compliqué d'envoyer le couscous et d'essayer d'aller chercher le troisième. Là c'est ouais, ça me paraît très compliqué, sachant qu'on va arriver sur des retardataires. Allez, on va s'arrêter maintenant. Il nous reste il nous reste 8 tours. Ça va rentrer nickel. Au niveau des pièces, on est just. Il va falloir faire vraiment gaffe. Allez, box. Hop. On n'est pas les seuls à rentrer. Allez, faut que ça se passe bien. Ça s'est bien passé. Et merde, il commence à pleuvoir. Le con, putain. Ah, le blaireau, pourquoi tu regardes pas la météo? Bordel de merde. Putain, le bouffon. Oh, l'erreur stratégique, putain, quelle merde. Ah là 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 là, putain. Alors ça, c'est con, ça, c'est con, ça, c'est con, c'est con, c'est con. Putain, ils vont tous s'arrêter, mettre les inters. Ouais. Attends, stop, fais voir. Devant, ça s'arrête ou pas? Ça s'arrête pas devant. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a moyen de mettre les inters, hein. Putain. Ah, j'ai tout perdu sur cette erreur stratégique. Pourquoi j'ai pas regardé? Putain, j'aurais mis les inters, on aurait été les rois. On aurait été les rois, les rois, les rois, les rois. Putain, tu regardes pas la météo, mec, t'es un débile mental. Allez, box. Putain, quel blaireau. Allez, c'est reparti. On met les inters. Moreno a mis les inters. Troisième arrêt, c'est reparti. Go. Go, Gadgetto. Putain, cette erreur stratégique, quoi. Putain, le blaireau. J'ai fait n'importe quoi. Par contre, devant, il s'arrête pas. Alors là, peut-être que finalement je vais pouvoir réussir à faire un truc. Ça pourrait être beau. Premier, deuxième, ouais, le troisième, quatrième. Ok, ouais. Si ça arrête, là, ouais, ça s'arrête pour le premier, ça s'arrête pour le deuxième. Ça s'arrêtait pour le troisième, quatrième. Allez, ma grande. Putain, ça repart pour le premier, ça repart pour le deuxième, etc. Allez. Oui, on part ce troisième. Oh, ça c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh, continue ma grande. Continue, ça c'est bon ça. Oh oui. Arrête de faire des plats sur tes pneus. Putain, elle fait que des plats sur les pneus. Ça veut dire que le frein et les freins sont mauvais. Là, on a une as quoi. Elle s'appelle Romaine Grosjean quoi. Il reste 4 tours. Faut conserver cette troisième place. Faut la conserver cette troisième place. Ah, on est devant l'Hipponen. C'est bon ça. C'est très très bon ça. Putain, pour les constructeurs, on va ramener que dalle de points. Ça fait suer, ça. Ça fait suer. Et bah, finalement, je me suis bien débrouillé. Hein, des points de vue stratégie, là, on rattrape les conneries. Hein. Punaise. Oh, c'est pas facile. Et le quatrième, il est pas loin. Hein. Le quatrième, aïe. Quatrième est pas loin. Et il est en mode full attaque, le mec. Hein. Full attaque. On va la passer en full attaque aussi. Hein, parce que là, sinon, on va pas pouvoir se battre, là. Oh, la vache. On s'en fiche, c'est pas grave. T'as le quatrième, il y a l'Hipponen qui est en train de revenir là. On va faire un podium, ma gueule. L'objectif c'est podium là. Alors, on n'aurait pas pu jouer la victoire. J'ai bien fait hein, de pas choisir le sponsor pour être numéro 1. On n'aurait pas pu jouer la victoire, hein, ça c'est clair. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. Hop là, dernier tour. Allez, continue. Continue. On peut même te demander de push un chouïa plus, histoire de bien finir. Hop, voilà. Allez, victoire. Fin de la course. Victoire de Wexler. Et on prend une troisième place. Putain, fou. Oh, qu'est-ce qu'on en a sué aujourd'hui là. Waouh, c'est chaud. Ah, c'est chaud patate. Hein. Ah, c'est chaud patate.
putain c'était dur. Pff. Oh là là, putain, et Pascal Baker qui aurait pu... Il aurait pu gagner quoi, il aurait pu gagner. Enfin gagner, non pardon, il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire tellement mieux. Je suis vraiment déçu quoi, que Pascal Baker soit sorti au bout de 2 tours. Putain, et c'est pas la première fois, hein. C'est ça qui est... Ça c'est fatigant ça. Bon alors, fais voir, nous on a fait une stratégie bordélique. Mais effectivement, en fait, là j'aurais pu, au lieu de me prendre un arrêt, on aurait pu gagner la course en fait. Je me dis on aurait pu gagner la course si on avait continué un tour de plus sur les softs, mais c'était très compliqué. Et de mettre les inters ici. Et on serait économisé un arrêt au stand. Et là, je pense qu'on jouait la gagne. Là, je pense qu'on jouait la gagne. Et ouais, parce que là, ils mettent les inters beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Ouais, fallait mettre ici. Ouais. Ok. Oh putain, risque de transgression moyen. Oh non. Aucune règle violée. Oh putain, on joue avec le feu là. On joue avec le feu. On récupère 6 points pour le championnat, ça fait plaisir. On a rempli l'objectif du sponsor. On a une belle troisième, une belle coupe là qui va venir sur l'étagère. Ça fait plaisir. Les graphismes sont un peu dégueu là. Peut-être que c'est ma carte graphique qui fait de la merde, je sais pas. Oh ben ça fait plaisir. Oh punaise, on repasse deuxième. Putain, on s'intercale entre les deux Scuderi à Rossini. Becker est toujours 6. Malgré son abandon, là, il aurait pu jouer des points et remonter peut-être 5, tu vois. C'est dommage. Et au classement constructeur, on est toujours deuxième, mais devant, ils ont le double de points de nous. Voilà, donc ça, c'est fait. Ok, maintenant, on va passer en mode management. Ah tiens, on a déverrouillé un truc. Pneu extra tendre, le pas léger. Ah, intéressant, ça. Donc, moins 15%. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il fait de la merde, lui. Les relations avec le mécano, c'est pas top. Par contre, là, ça commence à s'améliorer. Bon, bah, c'est déjà ça, tu me diras. Notre président est content. Valeur commerciale, 97%. Putain, ça, c'est bon, ça. Ça, on ramène du pognon, les gars. Voilà, bam. Allez, on remonte à 2 millions. On va pouvoir faire le point. Alors, sauvegarde. Pouvoir faire le point sur ce qui se passe dans notre boîte mail. Très bien. Bon, bah tout ça, on s'en fout. Alors, ça, c'est effectivement le véhicule, oui. 87% de dégâts. Bah, tu m'étonnes, le mec s'est pris un mur. Alors, bon, allez, on va accepter l'interview. Alors, votre président a apparemment dit à des journalistes qu'il était fatigué des performances lamentables de Pascal Baker et veut le voir partir. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ouh là 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 là. On va répondre en mode journaliste corporate, tu vois. Je commence à m'inquiéter des performances de Pascal Baker, mais j'ai confiance. Bah ouais, ça lui enlève... Oh putain, la vache, ça lui enlève beaucoup au moral, là, le garçon. Ok, merci beaucoup, François. Voilà, je lui enlève un peu le moral, mais bon. C'est vrai qu'il faut qu'il commence un peu à se bouger, le mec, hein. Sérieux, quoi, c'est pas faisable. Donc dans 2 jours, on a un nouvel aileron avant. Le siège, c'est dans 20 semaines, donc il y a le temps, voilà. Pour vous dire, on va continuer. Atelier de conception, réparation de la... Ok, on va aller voir ça. Alors, on a 3 nouveaux sponsors. Enfin, en tout cas, on a des offres de sponsors. Ouh, El Banco, El Banco. El Banco. Alors, eh ben écoute, 3e ou mieux, c'est faisable avec la voiture qu'on a. 7 courses, paiement à l'avance 3 millions, paiement bonus, qualification et course 1 million. Ok. Bah, c'est un sponsor 5 étoiles, donc oui. Puis 3 millions, quoi. Voilà, c'est tout. El Banco, fais voir. Ah ouais, El Banco, El Banco. On a une banque qui nous sponsorise. Mais les graphismes sont dégueulasses. Va falloir que j'aille faire un tour là-bas. Là, fais voir. Sepoil Cortes Treco. Ok. Alors, paiement à l'avance 6,5 millions. Paiement à l'avance fixe par course. 15 courses. Alors attention, je vais faire mes calculs. Alors théoriquement, ça fait une demi-heure que je réfléchis. Théoriquement, c'est celui-là le meilleur. Parce que ça joue à 500 000 euros près. Hein. C'est juste qu'ils nous font un paiement à l'avance. Par contre, le problème, c'est qu'ils nous prennent pour 15 courses. Et là, ils nous prennent pour 11 courses. Donc pour l'instant, je vais pas aller chercher un sponsor. On va peut-être encore attendre un peu. Emplacement vide, oui, bon, c'est pas grave. On va encore attendre un petit peu.
On a une valo commerciale de 97%, donc on rapporte du pognon quoi qu'il arrive. On va attendre peut-être un troisième sponsor, et sinon on prendra, je pense, celle qui fait 11 courses. Fais voir combien de courses il reste d'ailleurs. Oh, il doit rester 11 courses. Non, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 peut-être. Ah oui, bah j'ai pas compté Munich, donc 11. Donc on va jusqu'à la fin de la saison, donc pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Mais c'est 6,5 millions et c'est pas beaucoup, je trouve. C'est dommage. Ok, vitesse max, on est un des meilleurs. Hein. Putain, franchement, on s'en sort bien. Faut améliorer le virage à faible vitesse et puis les freins. Ah ouais, faut qu'on fasse des freins. Hein. Dès qu'on a fini la conception, on se passe sur les freins. Alors, voilà l'aileron avant. Oh, pièce très bonne. Très bien, ça fait plaisir. Alors, on va installer la pièce. Donc là, hop. Alors là, oh là là, il y a des risques de transgression partout. Alors, risque faible. Risque faible. Bon, très bien. Mais elle est pas encore ultra fiable. Hein. Mais on a un gain de perfo, quoi. Donc on va mettre ça. Là, on va mettre Pascal ici. Comme ça, il aura une meilleure voiture. Et les freins, pourtant, elle a des bons freins. Hein. Donc, va falloir refaire des freins. Ok. Ok, ok. Je voudrais améliorer les pièces. Donc, tout de suite, on va lâcher. Donc là, on était en mode fiabilité à donf. Tu vas arrêter de me... ouais, non, tu vas continuer à me fiabiliser ça. Alors, fais voir. Fais voir, fais voir. Oh putain, c'est compliqué. Putain, mais c'est franchement, c'est pas simple hein, en fait quand tu regardes le truc. Alors fais voir là, Maria Gonzalez. Est-ce qu'il y a un truc Alors effectivement, il y a ça à prendre. Donc alors hop et hop. Ok, non, donc les suspensions effectivement. Et Pascal Becker, dans l'ensemble, ça a l'air de bien se passer. On va améliorer ça. Et ça. C'est le moteur original en plus. Oh la vache. Fais voir dans la liste des pièces moteur là. Ok, ouais. Ok. On s'est fait interdire une pièce quand j'y pense. Ah la vache. Ok, mais très bien. Et en termes de perfo, on est... Alors, Pascal Becker. Ok, donc lui, on lui fait la perfo de ça. De l'aileron avant. Ouais, bah on va rester comme ça. Donc, pour les pièces, on est bon. Par contre, à concevoir une nouvelle pièce, donc potentiellement, j'avais dit des freins. Mais en fait, c'est les virages à faible vitesse. Donc, c'est tout ce qui est aileron avant. On a une très bonne pièce, donc je comprends pas. Peut-être que c'est notre voiture qui est pourrave, quoi. Bon, alors du coup, on va faire des freins, comme on avait dit. Ouais, on va faire ça. En fait, c'est pas facile, hein, mais on va faire ça. Putain, fiabilité, elle sera pourrave, quoi. Ça me fait un peu suer. Mais la zone rouge, ah oui d'accord, c'est pas la peine. Ouais, on va faire des freins comme ça, ça m'a l'air pas mal. Allez, on va construire ça, ça a demandé 9 jours. Hop, voilà, de l'argent bien dépensé. Les pièces, c'est en train de s'améliorer, très bien. Pam pam pam. Plus 30, intéressant ça. Ah, plus 37 sur le fournisseur moteur, Steinman. Ok. Température des pneus, ouais, on a du mal hein, avec les pneus. Oh là 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 là. On a du mal, hein. Pas facile. Bon, ok. On va avancer un peu. Alors, je sais plus ce qui se passe, mais là, tout à l'heure, j'avais des... Ah bah non, j'en ai plus, d'accord. Il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui ou pas? Non, toujours pas. On a des bons pilotes, hein. Ouais, ça va. Ça se tente. La voiture, elle commence à être un petit peu moins bien que les autres. Hein. Mais on peut se débrouiller.
Dis donc, en recrutement, ils en sont où les mecs là? Parce qu'on cherche peut-être un remplaçant à Pascal Baker au final là. Si l'autre... si l'autre il est pas content, ouais, ça va être compliqué. Ah, et bah voilà! Ça m'a l'air pas mal, 5 étoiles, donc 5 étoiles direct, tu vois. 3 millions à l'avance pendant 10 courses, donc 4 millions, 4 et 3, 7, 7 millions, merci, au revoir. Donc effectivement, j'accepte cette offre-là. Ambrosim, 10 courses, go. Hop. Putain, mais d'un coup, on a carrément plus de pognon qui arrive. Hein. Alors, c'est où le... Ok, c'est juste là. Cher payeur, hein, mais... c'est bon. Puis après on a Shield et puis Ablar qui partent. Puis dans 3 courses on pourra renouveler quelques sponsors bonus quoi. Donc ça va être intéressant. Très bien, continuons. Alors ok, donc là il y avait les épreuves de d'Asie Pacifique là et puis d'European machin. Donc ça c'est passé, très bien, on va continuer un petit peu plus. Alors voilà. Alors, il y a quelques trucs assez intéressants. Alors, on va aller au département recrutement. Angela Cassiani. Alors, Cassiani. Voiture victime de la mode. Valeur commerciale plus 10. Artiste en herbe. Ok, donc. Oula, mais elle est pourrie, elle. Non, mais vas-y, non. Non. Alors, recrutement, fais voir. Donc, Angela Cassiani, non. Putain, et Daryl Sherman, non plus, quoi. Non. Ils sont nuls. Putain, on a observé des pilotes nuls. Ça me rend ouf. Alors, Go Kanjiro détesté par ses mécaniciens. Ah bah, tant pis pour lui. Hein. Ah, c'est une plaie. Bah, moi, je vais pas le récupérer, le mec. Bon. Dans 6 jours, on a ce monsieur. Edipo. Punaise, c'est pas facile, hein. Facile. Alors on va les trier par âge. Donc tout ça c'est en cours. Et eh ben écoute. Voilà. Bon bah écoute, on observe. On observe Shenki. Pourquoi pas. Hein. Après tout, elle a 20 ans. On va voir ce qu'elle vaut. Elle a fait du championnat européen en 2016. Pourquoi pas. Bon, très bien. Mais elle a rien fait. Hein. Elle a rien fait. Donc bon, j'ai un peu peur. Hop, et on a demandé Gaedon, comment Portu la Rume, voilà, Portu la Rume. Lui, il a jamais fait de carrière, il a 21 ans, donc c'est bizarre, pourquoi pas, on pourrait peut-être le prendre en tant que pilote de réserve, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, en termes de pilote de réserve, on a une Brel Petri Alderson, voilà. Bon, il nous coûte que 800 €, hein, donc... C'est que dalle. Et puis l'avantage de nos deux pilotes, c'est qu'ils coûtent que dalle par course. Franchement, j'ai regardé, il y en a, putain, ils demandent 1,5 million et tout par course. Donc c'est énorme. Énorme, frère. Très bien. Ah bah c'est la course. Très bien. Eh bah écoutez, on va se laisser là. Hein. On va se laisser là déjà. Ça fait déjà un épisode. Putain, faut qu'on améliore notre QG là. Ça urge. Bah écoutez, on a fait un épisode de bof, je trouve, c'est un peu dommage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.